السلام عليكم ورحمة الله Aujourd'hui, je vais présenter quelques récits sur des compagnons. Le premier se nomme Aboulou Baba bin Abdelmunzir. On a trouvé d'autres récits à son sujet que je vais présenter. J'avais déjà présenté des détails à son sujet. Alama ibn Abdulbar écrit dans son ouvrage Al-Isteab qu'Abdullah bin Abbas a récité ce verset suivant du Saint-Coran dans lequel il est dit wa et il en est d'autres qui ont avoué leurs offenses. Ils ont mêlé une bonne action avec une autre qui était mauvaise. Abdullah bin Abbas déclare que ce verset était révélé à propos d'Abu Baba et de sept, huit ou neuf personnes qui étaient avec lui. Ces individus n'avaient pas participé à la rasoi de Tabouk. Plus tard, ils ont eu honte. Et ils se sont repentis et ils se sont attachés au piliers de la mosquée. Leur bonne action était le repentir et leur mauvaise action était d'avoir évité le djihad. Mujambam bin Jaria déclare que Khansa bin Khidam était marié à Unaïs bin Katada et celui-ci est tombé à martyr le jour de la bataille de le père de Khansa bin Tehidam l'a marié à un homme de la tribu Muzaina, un homme qu'elle n'aimait pas. Khansa s'est présenté au messager d'Allah et il a annulé son mariage. Abu Rubaba a épousé Khansa et de ce mariage est né Saïb bin Abu Ulubaba. Abdul Jabbar bin Ward relate ceci. J'ai entendu Ibn Abi Mulayka relater qu'Abdullah bin Abi Yazid avait dit ceci. Abdul Ubaba était passé à côté de nous, nous étions avec lui, et il est rentré chez lui, et nous sommes entrés avec lui dans sa maison. Nous avons vu une personne assise portant de vieux vêtements, des vêtements en lambeaux. Le vieil homme a déclaré, « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclarer, « Celui qui ne récite pas le Saint-Coran d'une voix mélodieuse n'est pas des nôtres. » Le prochain compagnon se nomme Abu Diyah bin Thabit bin Norman. Selon un récit, Abu Diyah avait accompagné le saint prophète Mohammed -so lors de la bataille de Badr, mais il a été blessé par une pointe de pierre sur son tibia. Et il est revenu et le messager d'Allah et -so avait conservé sa part du butin de la bataille de Badr. Le prochain compagnon se nomme Ansa Mawla Le nom de famille de Ansa était Abu Masrurah, ou selon certains, il se nommait Abu Misraha. Ansa est né à Sarah, un endroit entre le Yémen et l'Abyssinie. Lorsqu'il a émigré à Médine, il est demeuré auprès de Kultum bin Al-Hidam à Médine. Selon certains récits, lorsqu'il est venu à Médine, il a logé ses Sarad bin Khaythama. L'Imam Zuhri relate ceci. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait permis aux gens de le rencontrer après la prière de Zuhra. Et c'était Ansa qui venait solliciter une audience pour ces personnes auprès de l'envoyé d'Allah, bishop Ansa avait pour tâche d'annoncer ses visiteurs au saint prophète Mohammed, à lui. Le prochain compagnon se nomme Marsad bin Abi Marsad. Amr Imran bin Manah déclare qu'Abu Marsad et son fils Marsad bin Abi Marsad ont logé chez Kultum bin Hidam lorsqu'ils sont venus à Médine. Mohammed bin Urbar déclare que Marsad bin Abi Marsad a également participé à la bataille d'Orhoud et il est tombé à martyr lors de l'expédition de Raji. L'un des fils de Marsad se nomme Unaïs bin Abi Marsad al ghanoui on dit qu'il s'appelle également Anis, mais le nom Anis est plus souvent mentionné dans les récits. Il avait accompagné le Saint-Prophète Pessoa lui lors de la conquête de la Mecque et la conquête de Hunay. Selon Ibn Hajar, Marsad est tombé à martyr en l'encadre de l'Égypte. Le prochain compagnon se nomme Abu Marsad Kanas bin Al-Hussein Al-Ghanoui. On disait qu'il s'appelait Qannas, son père se nommait Hussein bin Yarmou. Il y a divergence d'opinion sur son nom. Selon certains, son nom était Qannas bin Hussein, tandis que selon d'autres, son nom était Hussein bin Qannas. On dit également qu'il se nommait Ayman, mais le nom le plus célèbre était Qannas bin Hussein. Abu Marsad avait le même âge que Hamza et il était son allié. Il était grand de taille et il avait les cheveux épais. Abu Mursad et son fils Mursad ont eu l'occasion de participer à la bataille de Badr. Mursad, le fils d'Abu Mursad, est tombé en martyr lors de l'incident de Raji, un récit que j'avais mentionné dans le passé. Onaïs bin Mursad, le petit-fils d'Abu Mursad, était également un compagnon du Saint-Prophète Mohammed bin Sosaloui. Il avait accompagné le Saint-Prophète Pézoss à lui lors de la conquête de la Mecque et la bataille de Kunaïn. Au cours du mois Rabiul Awal en l'an 2 de l'Égypte, le Saint-Prophète Mohamed Pézoss à lui envoyait un groupe de 30 immigrants à Doudou-Chabou sous la direction de son oncle Hamza bin Abdel-Mutlib de Médine vers Seyf al-Bahar dans la région d'Isse. Hamza et ses compagnons y sont parvenus rapidement et ils y ont trouvé Abu Jahal, le chef de la Mecque, avec une armée de 300 cavaliers. Ils étaient là-bas pour les accueillir. Les deux armées se sont alignées l'une contre l'autre. Et la bataille était sur le point de débuter lorsque Majdi bin Amr al-Jahani le dirigeant de la région, qui était lié aux deux camps, est intervenu et il n'y a pas eu de combat. Cette campagne est connue sous le nom de la Saria Hamza bin Abdel Mutlib. Abu Marsad a également participé à cette campagne. Selon les récits, le tout premier drapeau attaché par le saint prophète Mohammed de Sassali était le drapeau de Hamza, et ce drapeau était porté par Abu Mursal. Le prochain compagnon se nomme Salit bin Qais bin Amr. Salit appartenait à la branche Banu Adi bin Najjar, une branche de la tribu Khazraj des Ansar. Sa mère se nommait Zubayba bin Dorara, elle était la sœur d'Assad bin Dorara. Selon un récit, Walid bin Walid, le frère de Khalid bin Walid, a été emprisonné par Salid bin Kaïs lors de la bataille de Badr. À l'occasion de la conquête de la Mecque, le drapeau de la tribu Banu Mazin des Ansars était entre les mains de Salid bin Qais. De même, Salid bin Qaes portait la bannière des Banu Mazin à l'occasion de la campagne de Hunayn. La bataille de Disra a eu lieu en l'an 13 de l'Egyre, ou selon certains récits, au début de l'an 14 de l'Egyre, au cours du califat de Omar Radetanhu. Cette bataille a été menée entre musulmans et perses dans l'Irak actuel. Abu Ubaid bin Masoud était le commandant de l'armée musulmane lors de cette bataille. Et c'est pour cette raison que cette bataille porte aussi le nom de la bataille de Dhisra Abu Ubaid. Cette bataille porte également d'autres noms. Elle est connue comme la bataille de Marouha, qui est le nom d'un lieu sur la rive ouest de l'Euphrate. Elle est aussi connue comme la bataille de Kousan-Natif. C'est aussi le nom d'un lieu tout près de Koufa sur la rive est de l'Euphrate. 2000 personnes ont été tuées lors de cette bataille. Selon d'autres récits, il y a 6000 personnes qui ont été tuées. Selon certains récits, 1800 musulmans ont été tués lors de cette bataille. Selon d'autres récits, 4 000 musulmans ont été tués lors de la bataille, dont 70 ansars et 22 muhajirines. Salid bin Kays faisait également partie de ces martyrs. Selon certains, Salid bin Kays était le dernier martyr de cette bataille. D'après certains historiens, Salid n'a pas eu de descendants. Selon d'autres récits, son fils se nommait Abdullah bin Salit. Il a rapporté un récit de sa part. Selon un autre récit, Salit avait une fille qui se nommait Soubaïta. Sa mère se nommait Sohrela bin Tessimah. Selon l'auteur de ce doule rabat, les enfants de Salit n'ont pas eu de descendants. Abdullah bin Salid bin Kais a relaté le récit suivant de son père, Salid bin Kais. Un Ansari avait un jardin dans lequel il y avait des palmiers appartenant à notre Ansari. Celui-ci venait dans ce jardin le matin et le soir. Le messager d'Allah lui, lui a ordonné de remettre au propriétaire du jardin les dates de ces arbres qui étaient attenants au mur du jardin. Le prochain compagnon se nomme Mujazzar bin Ziyad. Moussa bin Ukba a déclaré que les gens croient qu'Abu Yasr a tué Abu Bakhtari, mais beaucoup d'autres ont dit que c'est Mujazzar qui l'avait tué. Mujazar avait tué Suaid bin Samit à l'époque de l'ignorance. Et ce meurtre a provoqué la guerre de Boath. Plus tard, Mujazar et Harith bin Suaid bin Samit ont accepté l'islam. Mais Harith bin Suaid cherchait une occasion pour tuer Mujazar afin de venger son père. Lors de la bataille de Houd, quand les Korachites se sont retournés et ont attaqué les musulmans, Harith bin Swaed a tué Mujazar en le poignardant au cou par derrière. Au retour de la Raswa Hamra ul-Assad, l'ange Gabriel a informé le saint prophète Pissas à lui que Harith bin Swaed avait tué Mujazar bin Diyad. Il l'avait tué par tromperie, et il a ordonné le Saint-Prophète Mohammed de condamner à mort Harith bin Swayd pour venger la mort de Mujazzar bin Ziyad. Le Saint-Prophète Mohammed a visité Cuba par un jour de grande chaleur, Ouem bin Saïda a tué Harith bin Swayd à la porte de la mosquée de Kuba suite aux instructions du Saint-Prophète Mohammed. Ceci est peut-être un récit tiré de Tabakat al-Kubra. Le prochain compagnon se nomme Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan. Voici l'incident de l'acceptation de l'islam par Rifa bin Rafi. Muad bin Rifa a relaté de son père que Rifa bin Rafi et son cousin Muad bin Afra sont partis à la Mecque. Quand ils sont descendus de la colline Saniya, ils ont vu un homme assis sous un arbre. Selon le narrateur, cet incident s'est passé avant le départ de des Sizansari, c'est-à-dire avant la première Bayra d'Akaba. Il relate c'était le saint prophète Mohammed Pessoa, lui. Nous nous sommes dit que nous allons l'approcher et nous allons lui confier nos affaires jusqu'à notre retour du Tawaf de la Bétullah. Nous l'avons salué à la coutume de l'époque de l'ignorance, mais il a répondu selon la coutume islamique. Nous avions déjà entendu parler du prophète qui s'était proclamé à la Mecque, mais nous ne savions pas que c'était lui. Nous lui avons demandé qui il était. Il nous a demandé de descendre de nos montures. Nous sommes descendus et nous lui avons demandé où se trouvait la personne qui se disait prophète et qui a fait d'autres déclarations. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, c'est bien moi le prophète. Et j'ai dit, parlez-moi de l'islam. Et le saint prophète Mohammed lui nous a parlé à propos de l'islam. Et il a demandé, qui a créé les cieux, la terre et les montagnes? Nous avons répondu, c'est Allah qui les a créés. L'envoyé d'Allah, soit a demandé, et qui vous a créé Nous avons répondu, c'est Allah. Et le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a demandé qui a créé ces idoles que vous adorez. Nous avons répondu c'est nous qui les avons fabriquées. Le saint prophète Mohammed a lui a demandé et qui mérite d'être adoré, le créateur ou les créatures. En tout cas, vous avez plus le droit d'être adoré parce que vous êtes les créateurs des idoles. J'invite vers l'adoration d'Allah et vers le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Et que je suis le messager d'Allah. Et j'invite à être bon envers les uns et les autres et à laisser l'inimitié qui est due à l'oppression des gens. Nous avons déclaré par Allah même si ce vers lequel vous nous invitez évo, est faux, c'est une bonne chose et ce sont là de bonnes qualités morales. Veuillez prendre soin de nos montures jusqu'à ce que nous accomplissions la tawaf. Moaz bin Afra est demeuré auprès du Saint-Prophète Mohammed b. à lui. Rifa bin Rafé déclare Je suis parti faire la tawaf de la Baitullah, J'ai sorti cette flèche et j'ai voué une flèche au Saint-Prophète Mohammed b. à lui. À l'époque, ils utilisaient les flèches pour chercher des présages afin d'avoir le cœur net lors d'une prise de décision. Il déclare Je me suis tourné vers la carba et j'ai prié Oh Allah. Si Mohammed invite vers la vérité, fait que sa flèche sort cette fois. J'ai tiré au sort cette fois et toutes les sept fois, c'est sa flèche qui est ressortie. Et j'ai annoncé à haute voix Ashadu Allah ilaha illallah wa Anna Muhammadan Rasulullah. Les gens se sont rassemblés autour de moi et ont déclaré Cet individu est fou, il est devenu un sabéen. J'ai dit c'est un homme de foi. Ensuite, je suis parti dans la région haute de la Mecque. Les Mecquois lui ont dit que celui que tu as évoqué est un fou. Il est devenu un sabéen. Mais Raphaël a répondu que je pense que c'est un homme de foi. Il déclare je suis parti dans la région haute de la Mecque. Quand moi m'a vu, il a dit Rifa retourne avec un visage radieux, un visage qu'il n'avait pas au départ. C'est-à-dire qu'avant de réciter la Kalima, il n'avait pas un visage aussi radieux qu'à présent. Rifa déclare Je suis venu et j'ai accepté l'islam. Le saint prophète sur lui, nous a cité la Sourate Yousuf et Ikra Bismira Rabbi Khalak, et nous sommes retournés. Rifa bin Rafi relate ceci Une flèche m'a frappé à l'œil le jour de la bataille de Badr. Mon œil en a été blessé et le Saint Prophète Mohamed Pesas lui a placé sa salive sur mon œil et il a prié pour moi. Par la suite, je ai pas souffert. Selon un autre c'était Rafé bin Malik, le père de Rifa bin Rafé, qui a été blessé à l'œil par une flèche le jour de la bataille de Badr. En tout cas, Allah c'est le mieux. Mais le résultat était le même, à savoir qu'il n'en a pas souffert par la suite. Rifa bin Rafé relate Le messager d'Allah, péso lui, était assis dans la mosquée un jour, et nous étions avec lui. Un individu qui semblait être un bédouin est venu il a accompli la solat rapidement. Ensuite, il s'est tourné vers le saint prophète Mohammed, lui, et il a salué l'envoyé d'Allah, péso lui. L'envoyé d'Allah, péso lui, lui a répondu. Que la paix soit sur toi aussi. Retourne et répète ta sola, car tu n'as pas prié. Ainsi, le visiteur est parti refaire sa sola. Ensuite, il est retourné, il a salué le saint prophète, puis soit salué. L'envoyé d'Allah lui a dit Que la paix soit sur toi aussi. Retourne et prie de nouveau, car tu n'as pas accompli la sola. Il a répété cela deux ou trois fois. Chaque fois, il retournait voir le saint prophète, puis soit salué, et le saluait. Et chaque fois, le Saint Prophète, paix soit à lui, lui disait, Que la paix soit sur toi aussi, retourne et répète, Ta là, car tu n'as pas prié. Les gens ont pris peur et ils se sont rendus compte que celui qui priait rapidement est comme celui qui n'avait même pas prié. Ainsi, ses compagnons qui étaient assis là-bas ont ressenti une grande peur. Cela signifie qu'une sola rapide n'en est pas une. Ainsi, nous devons également nous évaluer à cet égard. Finalement, cet homme a déclaré :« "Ô envoyé d'Allah, montrez-moi comment prier. Je suis un être humain, je fais de mon mieux et je commets aussi des fautes. » Sur ce, l'envoyé d'Allah, soit Lhola cela a déclaré :« Quand tu as l'intention d'accomplir la cela, fais d'abord tes ablutions car Allah nous a ordonné d'en faire. » Ensuite, récite la partie du Coran que tu as mémorisée. Sinon, récite Alhamdulillah, Allahu Akbar, ilaha, ilaha illallah. Ensuite, incline-toi et demeure dans la posture du Rukhu posément. Par la suite, redresse-toi. Ensuite, prosterne-toi posément. Ensuite, assieds-toi posément. Et ensuite, relève-toi. Ta sola est complète si tu agis de la sorte. S'il s'y trouve des lacunes, tu auras manqué ta sala à la mesure de tes lacunes. Rifa bin Rafé déclare qu'il était avec le saint prophète Mohammed B.S.A.S.A. lui et celui-ci a déclaré La sala d'aucun individu n'est complète tant qu'il n'a pas accompli les ablutions comme ordonné par Allah. Ensuite, il s'est lavé le visage et s'est lavé les mains et les bras jusqu'au coude. Ensuite, il a passé de l'eau sur sa tête et il s'est lavé les pieds jusqu'aux chevilles. Selon un autre récit, Rifa bin Rafi a déclaré que l'envoyé d'Allah, lui a déclaré, « Quand vous êtes debout face à la Qibla, dites Allah Akbar. Al Ensuite, récitez la surat Al-Fatihah et autant du Coran qu'Allah le souhaitait, c'est-à-dire autant du Coran que vous avez mémorisé. Et quand vous vous inclinez, placez vos paumes sur vos genoux et gardez votre dos tout droit. Ensuite, prosternez-vous posément. Et quand vous vous relevez, asseyez-vous sur votre cuisse gauche. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Hussaid bin Malik bin Rabia. Othman bin Ubaidullah relate j'ai vu Abu Ussaid éteindre sa barbe de couleur jaune. Ibn Israq relate qu'Abu Usaid bin Malik bin Rabiya a participé à la bataille de Badr. Quand il a perdu sa vue durant sa vieillesse, il a déclaré :« Si j'étais à Badr aujourd'hui et que ma vue était bonne, je vous aurais montré cette ravine où sont descendus les anges, et je n'aurais aucun doute quant à son emplacement. » Abu Usaid bin Malik bin Rabia Sardi relate Nous étions assis avec le Messager d'Allah, soit lorsqu'un individu des Banu Salma est venu vers lui, et il a dit au oh Messager d'Allah, pèse lui Comment puis-je bien traiter mes parents après leur décès L'Envoyé d'Allah, pèse sur lui, a déclaré Oui, certainement. Tu dois prier pour eux et tu dois demander pardon pour eux. Tu dois respecter leurs promesses après eux et tu dois bien traiter ceux qui leur sont apparentés. Tu dois les garder ensemble et tu dois respecter leurs amis. Ils mériteront des récompenses par ces actions. Leur âme sera récompensée et ils mériteront le pardon de Dieu. Malik bin Rabia a déclaré J'ai entendu l'envoyé d'Allah et soit celui déclarer Oh Allah, pardonne à ceux qui se rasent la tête. Un individu a déclaré Et ceux qui se coupent les cheveux. À la troisième ou à la quatrième fois, l'envoyé d'Allah et soit celui et pardonne aussi à ceux qui se coupent les cheveux. Je m'étais rasé la tête ce jour-là. La joie que j'ai ressentie était plus grande que celle ressentie si j'avais reçu un chameau rouge ou de grandes richesses. Le père d'othman bin Arkam a rapporté que le messager d'Allah lui a dit le jour de la bataille de Badr, « Laissez le butin que vous avez trouvé. » Abu Usaid al-Sardi a laissé l'épée d'Aïd al-Mardaban. Il s'agissait de l'épée appartenant d'Aïd al-Mardaban. Arkam a pris l'épée et il a déclaré, oh « au messager d'Allah, offrez-moi cette épée. » Sur ce, l'envoyé d'Allah, paix sur celui, lui a offert cette épée. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Abdel-Assad. Mohammed bin Ammara relate ceci. Abu Salman bin Abdelassad était le premier à venir chez nous de parmi ceux qui ont émigré de la nec pour s'établir à Médine. Il est venu le 10 du mois de Muharram, tandis que le saint prophète Mohammed bin lui est arrivé le 12 du mois à Rabiul Awal. Il y a une différence de deux mois entre les émigrants arrivés en premier et qui avaient logé chez Banu Amr bin Auf et les émigrants qui sont arrivés en dernier. Oumy Salma relate que lorsque Abu Salma a émigré à Médine, il a logé chez Mubashir bin Abdel à Kuba. Le saint prophète Mohammed Bissou, lui, a établi un lien de fraternité entre Abu Salman bin abdil assad et Saad bin Khaythama. Un homme de la tribu des Banutai était venu à Médine pour rencontrer sa nièce et il a informé l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa -salam. Que Tolaïha et Salma, les fils de Khualid, visitaient leurs tribus et leurs alliés, et ils les incitaient à se soulever contre le saint prophète Mohammed. Sur ce, l'envoyé d'Allah a fait venir Abu Salma, c'est-à-dire Abdullah bin abdul assad et l'a envoyé à la tête de 150 Mohammed et Ansar pour réprimer les Banu Assad. L'envoyé d'Allah et soit lui a préparé un drapeau pour eux. Il a envoyé comme guide celui qu'il avait informé à propos des Banu Assad. L'envoyé d'Allah et soit lui a ordonné ceci à Abu Salma. Avancez jusqu'à ce que vous atteigniez le territoire des Banu Assad et y Attaquez-les avant qu'ils ne vous confrontent avec leur armée. Suite à cet ordre, Abu Salma a voyagé rapidement jour et nuit. Et il s'est écarté des routes habituelles pour arriver jusqu'au Banu ben sans qu'ils ne se rendent compte de leur avancée. Et ils ont atteint une source des Banu ben ils ont attaqué un troupeau d'animaux, et ils ont capturé trois de leurs bergers. Tous les autres ont pu s'échapper. Abu Salma a divisé son armée en trois parties, il a gardé un détachement avec lui et il a envoyé les deux autres. Ils ont pu attraper d'autres chameaux et d'autres chèvres, mais aucun des hommes de parmi les Banu Asad. Par la suite, Abu Salma est retourné à Médine. Cette référence est tirée de la Sirat Halbiya. Amr bin Salma relate qu'Abu Salma a participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Ohud. Abu Uthama a Jushmi a l'a blessé durant la bataille Houd. Il a poignardé le bras d'Abu Salma avec une lance. Abu Salma a soigné la blessure pendant un mois. Apparemment, la blessure était guérie et personne ne pouvait la distinguer. Au cours d'un mois de Muharram, le 35e mois de l'égir, le messager de l'Abbé, a envoyé Abu Salma vers Qatan bin Banu Asad. As Katan est, est une colline, une colline entre Niza, le Nej et Khaybar, et les Banu Asad bin Khaizama résidaient au nord de cette colline. Abu Salma est revenu après avoir passé plus de dix nuits hors de Médine. Sa blessure s'est aggravée et il est tombé malade et il est décédé le 3 du mois jama al au cours de l'an 4 de l'Eschir. Abu Kilaba relate que l'envoyé d'Allah lui a rendu visite à Abu Salman bin Abdillah Avec l'arrivée du saint prophète Bésois à lui, l'âme d'Abu Salma a quitté ce monde. Le narrateur relate que les femmes ont voulu dire quelque chose là-bas. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré :« Arrêtez, ne priez que pour le bien de vos âmes. » car les anges sont présents tout près des défunts, ou il aurait dit que les anges sont tout près des proches du défunt, et les anges disent Amin suite à leur supplication, en ce cas ne demandez que le bien pour vous-même, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se lamenter auprès du défunt. Ensuite, le saint prophète Mohammed Besasse lui a prié, O Allah élargit sa tombe et éclaire-la, et accroît sa lumière, et pardonne-lui ses péchés. Ô oh Allah élève son rang de parmi les gens guidés, soit le soutien de ses proches. Pardonne-nous et pardonne-lui au Seigneur des mondes. Ensuite, le Saint prophète Muhammad à lui a déclaré quand l'âme quitte le corps, la vue la suit. Ne voyez-vous pas que ses yeux sont ouverts a demandé le saint prophète upon lui. Le prochain compagnon se nomme Khalad bin Arafé al Ar Il était un Ansari. Khalad bin Arafé appartenait à la branche ajlan du clan Banu Khazraj des Ansar. Sa mère se nommait Ummi Malik binte Ubay bin Malik. Le fils de Khalad se nommait Yahya. Sa mère était Ummi Rafe binte Uthman bin Khalda. Tous ces enfants sont morts jeunes selon les J'avais présenté ici sur la méthode pour accomplir la soie. Le saint prophète Muhammad avait conseillé à une personne de répéter sa salah à deux ou trois reprises. Le sahih d'Al-Bukhari rapporte, sous l'autorité d'Abu Hurayra, que l'envoyé d'Allah était dans la mosquée. Une personne est venue et a prié. Il a salué le saint prophète, et celui-ci a répondu à ses salutations et lui a dit, retourne et prie de nouveau. Il est reparti à plusieurs reprises et l'envoyé d'Allah, lui a demandé de répéter sa salah comme je l'avais dit plus tôt. Ensuite, ad bin Rafi al-Zurqi a déclaré, Ô envoyé d'Allah, je ne peux pas offrir de meilleure salah que celle-là. Informez-moi de la bonne façon de prier. Sur ce, l'envoyé d'Al-Lahbi Lui a déclaré « Lorsque tu te mets debout pour la surah, énonce le takbir. Ensuite, après la surah al fatera récite une partie du Coran que tu connais. Ensuite, incline-toi posément. Ensuite, remets-toi debout. Ensuite, prosterne-toi posément. Ensuite, relève-toi de la prosternation et assieds-toi posément. Accomplis toute la surah lentement et avec bien séance de cette manière. » Selon Allah ibn Hajar Asqalani, cet incident s'est produit avec Khalla bin Rafi. Le prochain compagnon se nomme Abad bin Bishr. Abad bin Bishr a rendu de grands services à l'occasion de la bataille du fossé. Bisalma Radotalanha, relate J'étais avec le saint prophète Mohammed, tout près de la tranchée, et je ne me suis pas séparé de lui nulle part. Le saint prophète de lui, surveillait la tranchée en personne. Il faisait un froid glacial. Je le regardais. Il s'est levé, il a prié dans sa tente autant qu'Allah a voulu qu'il prie. Ensuite, il est sorti et il a regardé autour de lui. Ensuite, je l'ai entendu dire, Ce sont les cavaliers des polythéistes qui encerclent la tranchée. Qui tentera d'aller voir? Ensuite, il a appelé, Abad bin Bishr » Abad a répondu, Je suis présent. Le saint prophète Mohammed et lui a demandé s'il y avait quelqu'un avec lui. Abad a répondu, je suis avec quelques-uns de mes amis et nous sommes autour de votre tente. Il a dit, va avec tes compagnons et fais le tour de la tranchée. Quelques des cavaliers et des idolâtres veulent vous entourer et ils souhaitent vous attaquer soudainement dans votre insouciance. Ensuite, l'envoyé d'Allah et lui a prié. Ô oh Allah, enlève-nous leurs balles et aide-nous contre eux et vainc-les. Personne ne peut les vaincre sauf toi. Abad bin Bishr est sorti avec ses compagnons et il a vu qu'Abou Sufyan était avec des cavaliers parmi les politistes. Il faisait le tour là où la tranchée était étroite. Les musulmans qui étaient là-bas sur la rive avaient pris conscience de leur présence. Ces musulmans leur ont lancé des pierres et des flèches. Abad relate « nous nous sommes arrêtés avec eux et nous leur avons également tiré des flèches jusqu'à ce que nous ayons forcé ces polythéistes à s'éloigner et ils sont retournés dans leur camp. Abad déclare Je suis retourné vers l'envoyé d'Allah Salui et je l'ai trouvé en état de prière. Et j'ai informé le Saint prophète Muhammad Pessoa à propos de cet incident. L'envoyé d'Allah, et soit lui, s'est endormi tant et si bien que j'entendais sa respiration. Il s'est réveillé lorsque j'ai entendu Bilal lancer l'appel à la prière du matin. La blancheur de l'aube était apparente. L'envoyé d'Allah, est sorti, et il a dirigé les musulmans dans la prière. Au Messalma, Radu Talanha relati, qu'Allah ait pitié d'Abbad bin Bishr Il était celui qui s'accrochait le plus à l'attente du prophète d'Allah, et il l'a toujours protégé. Aisha Aradotalanha disait que trois personnes de parmi les Zansar sont supérieures d'entre tous. Il s'agit de Usaid bin Hudayr, du Saad bin Mu'adh et de Rabad bin Bishr. Abad bin Bishr est mentionné dans un hadith concernant le changement de la Qibla. Ceux-là Radetalanha relate Nous étions en train d'accomplir la sola de Dhor ou Dasr parmi les Banu Haritha. Nous avions accompli deux rakat en nous tournant vers Jérusalem. Sur ce, un individu est venu et nous a informé que la bosquée sainte de la Mecque est la nouvelle Kibla. Elle relate Nous avons changé de place. Les hommes ont pris la place des femmes et les femmes ont pris la place des hommes. Selon un récit, c'était Abad bin Bishr bin Qaisi qui a donné cette information. Il appartenait à la tribu Banu Haritha. Selon un autre récit, c'était Abad bin Bishr bin Warsha qui appartenait à la tribu Banu abdel Ashal qui avait donné cette information. Abad bin Bishr se tenait aux côtés du Saint-Prophète Mohammed et Emportant un casque de fer à l'occasion du traité de Houdaïbia, quand les Koraïchites ont envoyé Sohel bin Amr de la Mecque dans le but de parlementer avec le Saint-Prophète Mohammed. Salman bin Aslam, un autre compagnon, était également avec lui. Au cours de la conversation, lorsque Sohel bin Amr a haussé le ton, Abad bin Bishr lui a dit de baisser sa voix devant le Saint-Prophète Mohammed. Abba bin Bishr était à l'avant-garde de chaque expédition, où Yaina bin Hisna, Fazari et quelques cavaliers des Banu Ratfan avaient attaqué le pâturage où les chamelles laitières du Saint-Prophète Mohammed avaient l'habitude de paître. Là-bas, ils ont tué celui qui veillait sur les animaux et ils ont pris sa femme et les chamelles du Saint-Prophète Mohammed. Quand la nouvelle est parvenue à Médine, les cavaliers se sont présentés au Saint-Prophète Mohammed. Selon un récit, Abad bin Bishr était le premier parmi les Ansar à atteindre le Saint-Prophète Mohammed de Soswadi après Migdar bin Aswad. Cette expédition est connue sous le nom de la Razwa Kurde. Ce récit est mentionné dans le Sahih d'Al-Bukhari. Yazid bin Abi Ubaïs relate ceci J'ai entendu Salma bin Akwa relater. J'avais quitté Médine avant l'appel de la prière du matin. Et je suis parti dans la direction de Rabat. Les chamelles de traite du messager d'Allah Pesos à lui avaient leur pâturage à des Un garçon d'Abdurrahman bin off m'a rencontré sur la route et il m'a dit qu'on avait volé les chamelles du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. J'ai demandé qui les a volés. Il a répondu les gens de Rotfan. En entendant cela, j'ai lancé trois fois l'appel yasabah vers ceux qui étaient entre les deux plaines pierreuses de Médine. Ensuite, j'ai couru pour rattraper les voleurs. Ils étaient en train d'abreuver leurs animaux. Je les visais de mes flèches et j'étais un bon archer. Je récitais ces vers martiaux. Je suis le fils d'Alakoua et c'est le jour de la destruction des canailles. Aujourd'hui, on saura qui est le plus brave. J'ai répété ces vers jusqu'à ce que je leur reprenne toutes les chamelles laitières. Et je leur ai pris aussi 30 manteaux. C'est là que le saint prophète Mohammed b. lui, est venu accompagner d'autres individus. J'ai dit, ô oh, envoyé d'Allah, soit Je ne leur ai pas laissé boire et ils avaient soif. Envoyez les troupes contre eux. Le saint prophète Mohammed b. lui, a déclaré, ô oh, fils d'Allah, tu les as vaincus. « Pardonne-leur. » disait « Nous sommes revenus et le messager d'Allah sallallahu alayhi m'a placé derrière lui sur sa chamelle et nous sommes rentrés à Médine dans cet état. » Le prochain compagnon se nomme Hatib bin Abi Balta. Il est décédé à Médine en l'entrant de l'égir à l'âge de 65 ans. Le calife Othman ar Talanu avait dirigé sa prière funéraire. Selon les récits, Abou Bakr de l'avait envoyé en Égypte pour conclure un traité avec Makorkis, un traité qui a été respecté entre les parties concernées jusqu'à l'invasion de l'Égypte par Amr bin al-As. Hatib bin Abi Balta était beau et il avait une légère barbe. Son cou était courbé et il était de taille moyenne et ses doigts étaient épais. Selon Yaqub bin Udba, Hatib bin Abi Balta avait laissé 4000 dinars et dirhams le jour de sa mort. Il était un marchand de céréales et il avait laissé son patrimoine à Médine. Jabir relate Une fois l'esclave de Hatib est venu voir le Saint-Prophète, et il s'est plaint de Hatib. Il a déclaré au messager d'Allah Hatib entrera sans nul doute en enfer. Le messager d'Allah a déclaré Tu as menti. Il n'y entrera jamais parce qu'il a participé à la bataille de Badr et au traité de Hudaybiya. » Saïd bin Moussaïeb relate que Omar ar est passé à côté de Khatib bin Abi Balta, qui vendait des raisins secs dans le marché. Le calife Omar ar lui a dit Augmente ton prix ou quitte notre marché. L'imam Shafi relate que Qasim bin Mohammed a dit que Omar Arad est passé à côté de Hatib sur le marché de l'Idga. Il y avait deux paniers pleins de raisins secs devant lui. Omar lui a posé des questions sur son tarif et Hatib a dit que j'offre deux moudes pour un dirham. Omar lui a dit On m'a dit que la caravane venant de Taïf fait confiance à ton prix. Tu dois soit augmenter le prix, soit rentrer chez toi et vendre ton produit au prix de ton choix. Omar est rentré chez lui, il a réfléchi à ce propos, et par la suite, il est parti voir Hatib chez lui, et il lui a dit, je ne t'ai point contraint de suivre mes instructions, ce n'était pas une décision de ma part, je l'ai fait uniquement pour le bien des citoyens. Vends ton produit où tu le souhaites et vends-le au prix que tu le souhaites. Le musulman Aoud Ara déclare à ce propos Depuis l'époque du saint prophète Mohammed B.S.A. l'État islamique contrôlait les prix à Médine. Ainsi, il ressort des hadiths qu'Omar Ara de se promenait une fois sur le marché de Médine. Et là-bas, il a vu un homme nommé Hate bin Abi Balta avec deux sacs de raisins secs. Omar Radu Talanho lui a demandé le prix de son produit et Hatib a déclaré qu'il vendait deux moudes pour un dirham. Ce prix était moins cher que le prix normal du marché. Sur ce, le calife Omar lui a ordonné d'en vendre chez lui car il ne pouvait pas les vendre à un prix aussi bas au marché car cela allait affecter le prix du marché et le public sera méfiant envers les commerçants. Le muslimaoud, de écrit que les juristes ont longuement débattu à ce propos. Certains ont également cité d'autres récits affirmant que Rumar était revenu plus tard sur son opinion. Mais généralement, les juristes ont reconnu l'opinion de Rumar comme étant viable. Et ils ont écrit que l'État islamique doit fixer les prix, sinon cela va affecter la morale et l'intégrité de la nation. Mais il faut se rappeler que cela concerne uniquement les biens amenés au marché. Les produits non commercialisés et individuels ne sont pas évoqués ici. Par conséquent, l'islam a clairement ordonné que le prix des produits apportés et vendus dans le marché soit fixé afin qu'aucun commerçant ne puisse augmenter ou diminuer le prix à sa guise. Les juristes soutiennent cette mesure selon certains ouvrages et selon certains hadiths. Le prix est fixé en pareil cas afin d'éviter toute concurrence qui nuit à autrui. En l'an 5 de l'Égyr, à son retour de la Razwa Banu Moustalik, le saint prophète lui est passé par le lieu d'Inaki et là-bas il a vu une vaste étendue d'herbe et de nombreux puits. L'envoyé d'Allah et lui a posé des questions sur l'eau de ses puits et les gens ont répondu que lorsqu'il vantait la qualité de ces eaux, eh bien, ces puits s'asséchaient. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a ordonné à Hatib bin Abi Balta de creuser un puits et de faire de naqi un pâturage administré par l'État. Il a nommé Bilal bin Harith al-Musni comme responsable de ce pâturage. Bilal a demandé au prophète d'Allah, sur ce celui, quelle surface de ce terrain dois-je convertir en pâturage? Le saint prophète a répondu Lorsque le soleil se lève, eh bien, lance un appel par une personne à la voix bien portante. La nuit, le son voyage très loin Lorsque le soleil se lèvera, lance un appel par une personne à la voix bien portante du haut du mont Mokamil. Et toute la zone d'où l'on pourra entendre sa voix sera utilisée comme pâturage pour les chevaux et les chameaux des musulmans qui accomplissent le djirad. En d'autres termes, les chevaux et les chameaux des musulmans consacrés au djirad doivent y paître. Bilal Radutranhu a demandé au prophète d'Allah qu'en est-il des animaux des autres musulmans. Le saint prophète a déclaré, ils n'y auront pas accès. Cet endroit sera réservé à ceux qui préparent leurs montures pour accomplir le djihad. Les autres doivent utiliser leur pâturage. Ensuite, Bilal a demandé au prophète d'Allah Qu'en est-il des pauvres, des faibles et des personnes âgées qui possèdent quelques brebis et qui n'ont pas la force de les déplacer pour les faire paître Le saint prophète Mohammed P.S. lui a répondu Ceux-là seront autorisés à utiliser ces pâturages. Selon un récit relaté dans le passé, une dispute avait éclaté entre Nansari et Zuber à propos du ruisseau nommé Al-Harra, d'où les gens puisaient de l'eau pour arroser leurs palmiers. L'Ansari avait demandé à Zuber de laisser couler l'eau et Zuber n'était pas d'accord. Tous deux ont porté la dispute devant le Saint-Prophète Péissos à lui. Le Saint-Prophète a dit à Zubair d'arroser son champ et de laisser l'eau pour son voisin. L'Ansari s'est mis en colère et il a dit à l'envoyé d'Allah que vous avez pris cette décision parce que c'est le fils de votre tante paternelle. Le visage du Saint-Prophète Mohammed Péissos à lui a changé. Il a dit Zouber arrose des arbres, ensuite retient l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le parapet de Tadig. Zouber a déclaré par Allah, selon moi, le verset suivant a été révélé à propos de cet incident. Il est dit Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants à moins qu'ils ne te prennent comme juge de tous leurs différends. » Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Les différents tafsirs sont divisés sur l'identité de cet Ansari mentionné dans ce hadith. Selon le tafsir al qurtubi d'après Maki Wanhas, Hati bin Abi Balta était ce compagnon Ansari. C'était là quelques récits que j'ai souhaité présenter aujourd'hui. Il en reste quelques-uns que je présenterai à l'avenir, Inshallah. <coughs> ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإيصان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر